Welcome to the third session, to the third session of the Styles and Method in the Early Modern and the Modern Period Seminar. My name is Matteo Vagelli, and I am a Marie Curie Postdoctoral Fellow in Philosophy of Science at the Department of Philosophy and Cultural Heritage at the University of Ca' Foscari, Venice. The seminar is part of the activities of Epistyle, a project which has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program under the Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement number 1010-30646. Please visit the website of the project, which is the following, the one that I just pasted on the chat box, for more information and for the complete program of this seminar. Abstracts of all the talks are also available there. Please note that this meeting will be recorded. By participating, you give your consent. If you do not wish your image to be recorded, please feel free to turn your camera off. But if you don't mind, keep it on so that we can actually talk to real people and not to black images. As you might have already noticed, this meeting will exceptionally be held in French. However, with Monsieur Cambuchner's permission, it will be possible to participate in the conversation and ask questions in English. I will start by saying a few words of introduction in French. Okay. Donc, mot du langage courant, souvent utilisé pour signifier la propriété de ce qui est transitoire, le style est en réalité porteur d'enjeux profonds et multiples, de nature esthétique, épistémologique et éthico-politique. Selon les contextes, il indique des manières de faire, de voir, de raisonner, de s'approprier de soi-même ou même d'une époque historique, ou même de manière d'être. La notion de style donne lieu à un savoir qui est susceptible de formalisation, mais qui reste aussi souvent implicite et qui se concrétise dans des pratiques toujours définies. Dans cette série des rencontres, nous nous intéressons à la notion de style et à ses enjeux épistémologiques. Cette notion dont l'évolution, je crois, trouve un moment de fixage dans la modernité et dont la dimension et la potentialité théorique ont souvent été négligés, est une notion transdisciplinaire dont la redéfinition est susceptible d'amener à une refonte des sciences humaines. La question centrale à partir de laquelle se dégagent des questions plus particulières est: quelle est la relation entre style et savoir? Quel type de savoir est-il le savoir du style ou savoir stylistique? S'agit-il d'une relation de pénétration ou d'implication? Celle entre savoir et style, comment peut-on caractériser la pensée du style et plus globalement, dans quelle mesure la notion de style permet-elle de penser à nouveau frais la relation entre art et science? Dans cette séance, nous avons l'honneur de discuter ces questions avec M. Denis Cambuchner, spécialiste de Descartes et de la philosophie moderne, professeur émérite à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Il a dirigé chez Gallimard, les éditions des œuvres complètes de Descartes, et il est l'auteur de très nombreux ouvrages en histoire de la philosophie. Nous rappelons ici Descartes et la philosophie moderne, paru chez Hermann en 2001, et Descartes n'a pas dit, les belles lettres, 2015. Monsieur Cambuchner est aussi l'auteur de Le style de Descartes, paru en 2013, livre qui constitue les points de départ de notre entretien d'aujourd'hui, et qui permettra de dégager quelques pistes de réflexion autour de Descartes et de la notion de style, pour ensuite aborder plus largement la pensée moderne et la philosophie de manière plus globale. J'ai proposé à M. Cambuchner de structurer l'entretien autour de trois thèmes au groupe de questions, étant le style de Descartes comme style philosophique, pensée du style, pensée de la méthode et style de pensée entre union et désunion. Voilà les trois thèmes. Ce que je propose de faire est peut-être de poser l'un après l'autre ces groupes de questions moi-même, laisser M. Cambuchner développer sa réponse
et puis ensuite ouvrir à la salle virtuelle pour d'autres questions ou demandes d'approfondissement. Donc, si vous êtes d'accord et sans hésitation, je passe au premier groupe de questions. Portant, en gros, sur le style Descartes comme style philosophique. Monsieur Kambouchner, vous commencez votre le style de Descartes avec une description de la phrase de Descartes. Je vous cite, c'est une des premières pages de votre texte. La phrase de Descartes est une phrase longue, complexe, puissamment structurée, à laquelle les jeux de propositions causales, concessives et consécutives disposées autour de la principale, par ce qui est assurément une transposition des ressources latines, les cascades des relatives, les constructions parallèles et redoublement confère une physionomie qu'on dira d'abord arborescente. Et vous prenez ensuite comme exemple une des premières phrases du discours de la méthode. Donc, la question par rapport à ça est dans quelle mesure cette phrase, que vous dites arborescente et subordinatrice, peut-elle être considérée la marque d'une manière de penser en philosophie ou d'un style philosophique? Y a-t-il un rapport entre l'architecture syntaxique de la langue cartésienne ou des langues cartésiennes, les français et les latins, et sa pensée? Y a-t-il une réflexion explicite sur les styles chez Descartes est-il possible de spéculer, voilà, à propos de la manière dans laquelle Descartes était conscient de son style et de la façon dans laquelle sa manière d'écrire et sa manière de penser pouvaient s'influencer réciproquement et, dans leur combinaison, influencer la manière d'être lu et d'être compris par autrui. Dans quelle mesure, donc, le style Descartes a été repris ou a été reproduit ou est-il l'expression d'un style philosophique qui va bien au-delà de son créateur? Voilà, je m'arrête là. Déjà, beaucoup de questions. Monsieur Kambouchner, je vous laisse la parole si vous voulez développer des éléments de réponse ou des réflexions sur ces premiers groupes de questions. Merci Mathéo pour votre invitation d'abord. Je suis heureux de participer à ce séminaire. Je regrette d'avoir manqué les premières séances. Je vous prie d'excuser les auditeurs ou participants anglophones d'intervenir en français aussi pour des raisons de temps. Merci pour votre présentation très, très amicale. En réalité, les livres que j'ai faits sur Descartes ne sont pas en si grand nombre et les œuvres complètes, l'édition des œuvres complètes n'est malheureusement pas encore terminée. Il y a deux volumes à paraître bientôt, mais toutes ces choses prennent beaucoup de temps. Alors, en effet, sur le style de Descartes, j'avais publié en 2013 ce tout petit livre. Disons que c'est une question que j'ai abordée en amateur, de manière très progressive et relativement limitée. Je, pour l'anecdote, les choses avaient commencé avec une conférence prononcée dans des années lointaines, c'est-à-dire en 1988 à l'université Ca' Foscari, à laquelle vous êtes attaché. Et cette conférence au département de littérature française n'avait pas été une réussite parce que c'était dans une période pour moi assez anxieuse. Et je m'étais un peu perdu à la fois dans la masse du matériau et dans la complexité du sujet. Donc je ne crois pas que les auditeurs de l'époque en aient gardé un formidable souvenir. Et c'est une question que j'ai eue alors, en pratiquant évidemment Descartes de manière quasi continue ensuite. C'est une question que j'ai eu l'occasion de reprendre 25 ans plus tard, à l'occasion donc d'une autre conférence qui a donné très élargi et retravaillé ce petit livre. Mais j'ai été sensible d'emblée, pour ma part, à la très grande difficulté de traiter deux questions de style.
Ça s'entend sur le plan littéraire, ça s'entend aussi bien sur le plan épistémologique. Sur le plan épistémologique, sur le plan épistémologique comme sur le plan littéraire, pour moi, pour des raisons de compétence, parce que il y a une quantité de langage technique à maîtriser que l'historien de la philosophie en tant que tel ne maîtrise pas nécessairement. Et les vues que j'ai proposées sur la question du style de Descartes économise pour l'essentiel ce qui fait par exemple l'objet d'un chapitre assez célèbre dans l'ouvrage de Gilles Gaston Granger, et c'est d'une philosophie du style, sur le style mathématique de Descartes, style cartésien, style argésien. Et donc, bien que je cite des textes qui ne sont pas nécessairement dans les parties les plus connues de l'œuvre cartésienne, il s'agit tout de même essentiellement des textes les plus en vue dans la production française de Descartes. Il y a une série de français, je veux dire en langue française, et particulièrement les textes les moins techniques. Sur ce sujet, ou avec une certaine délimitation, j'ai néanmoins tâché de proposer des vues assez diversifiées. Une vue historiographique, puisque la question de savoir si Descartes écrit bien ou mal et ce qu'il représente dans l'histoire de la littérature française est une question très répertoriée qui a été traité assez souvent, disons depuis l'époque, depuis la monarchie de Juillet en France, les années 1840, notamment à partir des initiatives de Victor Cousin pour installer Descartes au cœur de la culture scolaire secondaire. Donc la question concernant la valeur du langage même de Descartes a prêté à discussion depuis cette époque jusqu'à disons jusqu'au milieu du XXe siècle. Le discours de Paul Valéry au congrès Descartes en 1937 pour le troisième centenaire du discours de la méthode, étant une pierre marquante dans cette histoire. Après cette date, donc ce n'est pas tout à fait le milieu du siècle, dans l'après-guerre, en France, les questions se déplacent et il n'est plus tellement question en fait du style de Descartes. Mais pendant un siècle, ça a été une question très très débattue, avec l'institution de Descartes en grand organisateur de la prose française. Quelqu'un que je cite dans le petit livre et qui n'a pas laissé de souvenir particulier, mais qui est l'auteur de un monsieur de Mojo, qui est l'auteur d'une histoire de la littérature française en 1852, écrit par exemple: le discours de la méthode est le premier chef-d'œuvre de notre prose moderne. Il nous révèle enfin dans toute sa simplicité majestueuse la belle langue du XVIIe siècle. Ce n'est plus comme dans Montaigne un idiome personnel, un composé bizarrement gracieux de français, de latin et de gascon. Ce n'est plus comme chez Balzac, Jean-Louis Guen Balzac, l'écrivain dont nous reparlerons. Ce n'est plus la forme extérieure et vide de l'éloquence. Ici, c'est la langue de tout le monde, frappée à l'empreinte du génie d'un seul. Ici, la parole reprend son véritable rôle. Elle n'est que le vêtement modeste et décent de la pensée.
nous sommes déjà dans le sujet. Et le grand historien de la littérature française, critique et réformateur de la culture scolaire lui-même, au tournant du XXe siècle, Gustave Lançon, écrivait dans sa propre histoire de la littérature en 1895. En revanche, l'écrivain en Descartes a peut-être été surfait, surestimé. Il a une phrase longue, enchevêtrée d'incidentes et de subordonnées, alourdie de relatifs et de conjonctions, qui sent enfin le latin et le collège. Il la manie avec insouciance, la laisse s'étaler sous le poids de la pensée, sans coquetterie mondaine et sans inquiétude artistique. Il est demeuré étranger aux soucis de ses contemporains qui travaillaient la forme. C'est, donc, Descartes, selon Lançon, n'a pas travaillé la forme. Il n'a ni la phrase troussée de voiture spirituelle, ni l'ample période rhétorique de Balzac. Il retarde sur eux. Il en est resté à Mon Chrétien, à François de Sales, aux négligences faciles. C'est un assez curieux jugement. Donc j'arrête là ce genre de citation. C'est juste pour indiquer la substance des querelles. Tantôt on trouve Descartes admirablement majestueux et précis dans son langage. Tantôt on le trouve trop lourd, et ça dépend évidemment quelque peu des dispositions de celui qui écrit à l'égard de la philosophie. Il y a donc cet aspect historiographique de la question qu'il convient d'explorer au même titre que tous les autres chapitres de l'histoire de la lecture de Descartes. Hein. Et puis, il y a la question... la question proprement historique, à savoir, qui commence déjà à dépasser mes propres compétences, c'est-à-dire la manière dont la phrase cartésienne, pour autant qu'on peut la caractériser, en effet, génériquement, s'inscrit dans son époque. Le même Gustave Lançon, c'est un des éléments que j'évoque aussi dans ce petit livre, le même Gustave Lançon parle de la phrase Louis XIII, lentement déroulée, solidement étayée, d'une pensée qui travaille à tout mettre en ordre et qui prétend avant tout manifester son enchaînement. Et cette phrase Louis XIII, dont il donne des exemples divers et pas spécifiquement philosophiques, eh bien, lentement déroulée, solidement étayée, d'une pensée qui travaille à tout mettre en ordre et qui prétend avant tout manifester son enchaînement, la description en paraît assez bien convenir à Descartes. Il est clair que les traits de style qu'on trouvera en lisant Descartes, particulièrement en français, ne lui sont spécifiques que dans une certaine mesure, et qu'on peut trouver chez d'autres auteurs, y compris d'ailleurs plus tard dans le siècle. Sans qu'il s'agisse nécessairement d'une transmission directe, hein, on peut trouver le même genre de structuration syntaxique. Par exemple, avant que Descartes ait publié quoi que ce soit, on trouve dans un texte de Gabriel Naudet, l'écrivain libertin, et comme il n'appartient qu'aux, c'est un texte que j'ai également cité, et comme il n'appartient qu'aux âmes élevées, transcendantes, et qui ont quelque chose par-dessus le commun, de nous donner leur conception pure, nue, seule et sans autre escorte que la vérité, et que c'est la marque d'un esprit bas et ravalé de ne rien entreprendre de soi-même, aussi est-ce le propre caractère de celui qui est autant éloigné d'une vaine gloire que de l'ignorance et bêtise, de suivre la piste et le chemin frayés par les plus doctes et mieux sensés,
Donc, celui qui est éloigné de la vaine gloire sait comment emboîter le pas des autres et ne point tant s'amuser à ce qui peut piper et chatouiller les oreilles des lecteurs qu'ils viennent à négliger ce qui est nécessaire pour la pleine et entière satisfaction de leur esprit. C'est à propos donc de l'art d'écrire, mais c'est une phrase dans laquelle on reconnaît les structures que Descartes emploie aussi, mais qui pour le coup pêche par inélégance par rapport à ce qu'on trouvera dans le discours de la méthode et dans d'autres textes. Le problème évidemment avec la phrase Louis XIII telle que décrite par Lançon, c'est que la même époque, l'époque Louis XIII contient plusieurs types de phrases, enfin offre plusieurs types de phrases outre celle-là, et qu'à chaque époque, on trouve en réalité une pluralité de styles qui empêche une caractérisation de ce genre d'être tout à fait exacte. C'est donc en réalité, tout un problème de savoir comment situer la phrase cartésienne pour autant qu'on peut l'identifier dans son époque. Mais il y a encore d'autres difficultés, évidemment. D'une part, celle des deux langues de Descartes, le français et le latin, la langue des précepteurs et la langue du pays, deux langues entre lesquelles la dissymétrie est nette, la première étant pourvue d'une si riche tradition alors que l'autre est encore très évolutive. Il y a bien sûr à l'intérieur du corpus cartésien, et je vais y revenir, le fait que le style varie en fonction du type de même à l'intérieur, même si on se limite au traité, à ce qui est du genre traité, le style varie en fonction de l'objet et du genre du traité. Le style ne me paraît pas tout à fait identique dans les traités physiques, dans les traités mathématiques, dans les traités métaphysiques. Et puis, outre les traités, il y a, par exemple, les écrits polémiques qui posent des problèmes spécifiques. Et à l'intérieur même de chaque écrit, on n'a évidemment pas rapport à une phrase unique, hein. À un seul type de phrase. Descartes, en bon écrivain, car c'est un bon écrivain, avec une culture littéraire perfectionnée, Descartes est attentif à faire varier son expression. Donc, beaucoup d'éléments rendent l'étude du style cartésien complexe. Dans le genre, on a pu faire beaucoup plus étendue, on a pu réaliser une étude beaucoup plus étendue que je n'ai prétendu le faire. Je pense à l'ouvrage de Pierre-Alain Canet, un autre Descartes, une étude stylistique très, très, très poussée, paru en 1980 et que je discute. Donc, mon enquête à moi est restée très, très, très limitée. Et un peu à l'écart de ce qui m'occupe d'ordinaire, il s'agit davantage de savoir en matière cartésienne quelle est l'opération cartésienne exactement par rapport à telle ou telle grande question disputée. Évidemment, lorsqu'on s'efforce de caractériser l'opération cartésienne par rapport supposons à l'union de l'âme et du corps,
ou à, au statut des vérités éternelles, on ne cesse pas d'avoir affaire à un style de pensée. Mais si vous le voulez bien, je resterai un peu en réserve par rapport à une très grande extension de la notion du style. Vous posiez une question, ceci à titre de préliminaire, vous posiez une question importante, à savoir celle du rapport entre la phrase cartésienne et la philosophie de Descartes. Disons ceci, dans tout texte de Descartes, donc, il y a divers types de phrases dans les deux langues, mais il y a une phrase cartésienne typique, qui est au premier plan de ce qu'on retient d'ordinaire de lui, de Descartes lui-même, à savoir la grande phrase des traités de métaphysique et de morale, et quand je dis de morale, c'est au sens large, c'est-à-dire au sens où le discours de la méthode serait un traité de morale au-delà même de sa troisième partie. Nous avons, quand je dis la grande phrase des traités de métaphysique, des textes de métaphysique et de morale, pardon, j'inclinerai donc à distinguer la phrase métaphysique ou morale de la phrase mathématique et de la phrase physique. La phrase mathématique, si on se penche par exemple sur l'essai de la géométrie, est généralement relativement plus simple et plus segmentée que la phrase physique qui a un caractère plus narratif en rapport avec l'objet même de l'explication physique chez Descartes, c'est-à-dire les déplacements les unes par rapport aux autres de parties de la matière qui ont chacune leur figure ou qui changent de figure, etc. Donc, il y a un caractère cinématique ou cinématographique de la phrase physique de Descartes qui n'a évidemment pas d'équivalent ni en mathématiques, enfin dans la géométrie elle-même, ni en métaphysique. Donc c'est à propos de cette phrase, la phrase généraliste, disons, de Descartes que j'ai risqué la caractérisation que vous avez citée tout à l'heure, donc phrase longue, complexe, puissamment structurée, à laquelle le jeu des propositions causales, concessives et consécutives, etc., confère une physionomie qu'on dira d'abord arborescente. Je ne sais pas s'il faut que j'en cite des exemples, mais dans l'ensemble, enfin dans la forme la plus simple, c'est de cette complexité, c'est une phrase qui dénombre les conditions pour parvenir à une conclusion claire et nette. Et en tant que telle, elle est supposée tomber juste. Alors, dans le discours de la méthode deuxième partie, on trouve, par exemple, ceci qui est parfaitement classique. Je cite pour varier un peu les exemples par rapport à ce que j'ai pu évoquer dans le petit livre. Mais ayant appris dès le collège qu'on ne saurait rien imaginer de si étrange et si peu croyable qu'il n'ait été dit par quelqu'un des philosophes, et depuis, en voyageant, ayant reconnu que tous ceux qui ont des sentiments fort contraires aux nôtres ne sont pas pour cela barbares ni sauvages, mais que plusieurs usent autant ou plus que nous de raison, et ayant considéré combien un même homme, avec son même esprit, étant nourri dès son enfance entre des Français ou des Allemands, devient différent de ce qu'il serait s'il avait toujours vécu entre des Chinois ou des cannibales, et comment, jusque au mode de nos habits, la même chose qui nous a plu il y a 10 ans et qui nous plaira peut-être encore avant 10 ans, nous semble maintenant
maintenant extravagante et ridicule, en sorte que c'est bien plutôt la coutume et l'exemple qui nous persuadent qu'aucune connaissance certaine, et que néanmoins la pluralité des voix n'est pas une preuve qui vaille rien pour des vérités un peu malaisées à découvrir, à cause qu'il est bien plus raisonnable qu'un homme seul les ait rencontrées que tout un peuple, je ne pouvais choisir personne dont les opinions me semblassent devoir être préférées à celles des autres, et je me trouvais comme contraint d'entreprendre moi-même de me conduire. Vous voyez, la chute est très caractérisée, et évidemment, à quoi a-t-on affaire? On a affaire à tout un dénombrement de vérités supposées antérieurement constituées, qui sont en fait largement des lieux communs, en partie des lieux communs de la tradition sceptique, qui sont donc réunis avec une intention d'exhaustivité dans une forme qui apparaît bien sûr assez provocante, hein, dans son caractère spectaculaire. Hein. Il faut que l'auteur du discours de la méthode ait bien, non seulement beaucoup lu, malgré son dédain des livres affichés, mais beaucoup réfléchi à tout ce qui est évoqué tout au long de cette phrase pour arriver à la conclusion. Je craindrais d'être trop long en vous citant d'autres phrases trop longues où le point clé n'est pas nécessaire, enfin la chose à laquelle il s'agit de s'arrêter ne figure pas nécessairement à la fin de la phrase, mais où autour d'une proposition centrale se répartissent tout un ensemble de considérations. Avec un peu à chaque fois. Alors, il y a d'une certaine manière un modèle juridique, c'est-à-dire chaque phrase livre des attendus et des conditions pour un jugement. Il y a bien entendu un aspect mathématique dans la chose. C'est ce que j'ai pu appeler le mathématisme de la phrase cartésienne, avec la tentation qu'on a bien entendu de comparer cette phrase longue, ample, délibérément complexe, à une équation complexe. Seulement, je crois qu'il faut aussi résister à la tentation de chercher à prolonger l'analogie. On ne trouve ici dans les textes en langue naturelle ni inconnu, ni variable, ni degré, ni racine. Il faut bien évidemment retenir le contraste entre l'homogénéité, le caractère restreint de la matière mathématique, et puis la profusion, la variété luxuriante des significations qui sont portées par la langue naturelle, même si on soumet les énoncés à une loi d'économie conceptuelle et stylistique très 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 forte. Donc c'est ce qui fait la difficulté. Comment parler exactement de ce type de phrase sans risquer la mythologie conceptuelle ou le symbolisme arbitraire. Mais bien entendu, de la méthode passe, j'anticipe peut-être sur votre question suivante, de la méthode passe par là, hein. C'est une écriture extrêmement méthodique
qui est en un sens analytique, c'est-à-dire qui va aussi loin que possible dans le dénombrement et dans l'identification des facteurs pertinents, qui est en un autre sens synthétique, c'est-à-dire dans la mesure où la phrase cherche, ou Descartes cherche à travers la phrase à faire le tour de la question. La phrase cartésienne n'est ni analytique ni synthétique au sens que donne à ces mots le fameux texte de la fin des secondes réponses, mais ce qui est clair, c'est le rapport de la grande phrase cartésienne avec la division des questions, avec le dénombrement des éléments à considérer et avec la pondération et la nécessité de bien préparer un jugement qui intervient en dernier, avec partout des analogies utiles, des proportions à considérer et des symétries entre les conditions à prendre en compte. Et donc la grande phrase cartésienne réalise en principe, en tant qu'on en suit le mouvement, ce que Descartes considère comme la saisie claire et distincte d'un point donné. C'est-à-dire aussi, on peut la considérer comme la formule ou le protocole de résolution d'une question donnée, ceci en rapport évidemment avec la thématique dérégulée, la théorie des connaissances dérégulées. Donc, je dirais que la relation avec l'épistémologie au sens anglo-saxon cartésienne est absolument évidente. Descartes écrit avec toujours de manière très méditée et en même temps très assuré, avec la conviction que sur chaque point, on peut arriver à une décision ferme et solide, que sur chaque point, l'esprit peut trouver le moyen de se satisfaire, pourvu qu'il use d'assez de circonspection et en même temps déploie une conscience assez précise de l'ordre dans lequel les diverses questions doivent être abordées ou les points traités. Sur le rapport entre la phrase et la philosophie de Descartes en général, le point est plus compliqué. Je dirais que autant il est clair que la phrase cartésienne, la grande phrase, est comme dictée ou rendue possible par les réflexions de Descartes en matière de méthode et par les habitudes intellectuelles qu'il s'est donné. Autant une relation entre la phrase de Descartes et puis la substance de sa philosophie, ce que j'appellerais ses principes matériels, c'est-à-dire ce qu'elle dit des grands objets dont elle s'occupe, là soulève un problème compliqué. Mais c'est une phrase évidemment extrêmement savante.
et qui a été, qui s'est formé sans doute de manière très très progressive, avec chez Descartes une éducation littéraire et rhétorique tout à fait perfectionnée, dont nous pourrons dire un mot. Je m'arrête là provisoirement, mais pour ne pas être trop long, mais nous pourrons reprendre ces divers points. Merci, merci, monsieur. Oui, aussi parce que justement sur la question de la conscience de Descartes, de son propre style et la question de comment il a décidé de jouer sa formation dans son œuvre, nous passons justement aussi au deuxième groupe oui. des questions. Donc, c'est un point de transition très, très juste. Et je vous remercie beaucoup. C'était très éclairant et très utile. Hein. C'est cette reconstruction de la phrase cartésienne et déjà la prise de conscience importante que quand on parle de phrase cartésienne, en fait, on doit parler au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Donc, vous avez fait très bien nous rappeler cela. Voilà, c'est quelque chose qui porte avec soi aussi une distinction entre les différents domaines auxquels Descartes s'est dédié. Donc, il me semble comprendre que votre caractérisation de la phrase cartésienne s'appuie plus sur les textes métaphysiques et moraux plutôt que sur la phrase mathématique et géométrique, comme vous l'avez dit. Et pourtant, il y a un mathématisme qu'on peut prendre comme un trait saillant caractéristique de la phrase. Donc, il y a sans doute des effets, des jeux entre les différents domaines. Mais là, je m'arrête moi aussi parce que, comme promis, je voudrais ouvrir à la salle virtuelle, aux autres intervenants, pour demander s'il y a des questions de d'approfondissement ou de demandes d'éclaircissement. C'est le moment sur ces premiers axes, disons. Vous pouvez soit juste ouvrir les microphones et parler ou taper votre question dans le chat et je peux la lire ou traduire en anglais si besoin. Donc, n'hésitez pas. Je peux poser une question ? Je vous en prie. Bien sûr. Ce serait juste une curiosité par rapport à la pluralité des styles chez Descartes, parce que moi, ce qui m'intéresse en tant que je suis historien de l'art, c'est oui. La pluralité des manières. Oui. Et je me demandais si Descartes a conscience d'une évolution de sa phrase, de la est-ce qu'il existe une conscience de trois manières, de trois styles au cours de la vie d'un écrivain ou d'un philosophe. Trois manières de penser, un peu plasmées sur des idées de la philosophie antique, hein, comme succession qui se superpose aux âges, à la théorie des âges de l'homme. C'est pour comprendre aussi les théoriciens dans mon domaine, en histoire de l'art, il y a quelques ponts à créer, si c'est possible. Alors, Descartes a réfléchi sur les questions de style beaucoup, hein. C'est-à-dire il s'est considéré comme un auteur, comme un homme de lettres et pas seulement comme un savant. C'est le propre d'ailleurs de certain nombre d'auteurs de son temps, mais enfin,
si vous voulez. D'une part, il n'est pas indifférent que le premier texte que nous avons de lui, la dédicace des thèses de droit de 1616, il a donc 20 ans, évoque déjà avant, dans des termes plus éloquents que le discours de la méthode, qui n'en dit pas grand-chose, son amour de la poésie. Et d'autre part, nous avons un document tout à fait important qui est le jugement censura sur les lettres de Monsieur de Balzac, Guy de Balzac, qu'il a rédigé, considère-t-on, en 1628, texte latin, où il entre dans une discussion sur les mérites du style de Guy de Balzac dans ses lettres, qui avait déclenché une célèbre querelle au début des années 1620. Et Descartes est un ami de Balzac, ils sont contemporains, ils ont fréquenté les mêmes écoles et il se voit beaucoup à Paris dans les années 1625-1627. Et correspondent, et Descartes écrit à Balzac, il y a la célèbre lettre sur Amsterdam, ville où on est si peu dérangé par les autres que on se promène dans la foule comme au milieu d'une forêt. Il y a une ou deux lettres donc de 1631 dans lesquelles Descartes imite avec grand succès le style de Balzac, très 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 spirituel et musical, enfin bien balancé du point de vue de la prosodie elle-même, et on trouvera régulièrement dans ses écrits de très belles formules du point de vue littéraire. Donc en tant qu'athlète complet, il est particulièrement écrivain. Est-ce qu'on retrouve chez lui la distinction des styles que la tradition ancienne et ensuite humaniste a pratiqué, y compris en relation avec les âges de la vie? Je ne suis pas sûr. Je crois que ce qui compte chez lui, c'est l'adaptation de la forme écrite à la circonstance et à la matière, et que toute sa réflexion, comme pour la méthode, est celle de l'ajustement à la porte sur l'ajustement à la singularité de la situation pragmatique ou intellectuelle dont il s'agit. Donc c'est un exercice de l'ingenium, catégorie traditionnelle au possible. Voilà, mais il n'y a pas de théorie cartésienne du style à proprement parler, ni de la division des styles. Il y a un idéal d'authenticité ou de simplicité et d'exactitude de l'expression qui l'inscrit pour partie dans le voisinage de Balzac. Mais je ne sais pas si je vous ai suffisamment répondu. Non, merci, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'aurais une toute petite question qu'en fait, je me suis rendu compte en écoutant M. Kambouchner à la fin de sa première réponse, qui est entre les deux groupes de questions. Donc, si je peux me permettre, j'essaie de la poser. Parce que finalement, ce que nous intéressait dans ces premiers groupes de questions, c'était comment situer Descartes face à ce qui a été appelé l'âge de l'éloquence.
En gros, donc Descartes, comme vous l'avez dit, pas seulement comme un savant, mais comme un homme de lettres, et en tant que, disons que, se situant entre les écoles et les humanistes, peut-être, donc ces modèles et ces modèles-là. Et j'avais noté quelques passages que celui-ci est tiré du discours de la méthode, d'accord, où Descartes, par exemple, c'est cité dans votre livre à page 35, où Descartes semble miser sur l'absence de style dans ce qu'il crée, dans ce qu'il fait dans ses écrits. Il dit ceux qui ont les raisonnements les plus forts et qui digèrent ou ordonnent les mieux leurs pensées afin de les rendre claires et intelligibles peuvent toujours les mieux persuader ce qu'ils proposent, encore qu'ils ne paraissent que bas breton et qu'ils n'eussent jamais appris de rhétorique. Donc, Descartes a évidemment été nourri aux lettres de son enfance, comme il dit, ça c'est une citation qui continue, parce qu'on me persuadait que par leurs moyens, on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie, mais j'ai changerai entièrement d'opinion. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cela me semble recouper aussi les jugements dont vous êtes parti dans les discussions sur le style de Descartes, sur la qualité du langage cartésien qui ont occupé les spécialistes, plus ou moins les spécialistes entre 19e et 20e siècle. Même si vous avez cité deux opinions qui étaient en désaccord, l'une disant que chez Descartes, on trouve les grands styles français, et l'autre disant mais non, mais il n'y a rien. J'avais l'impression que les deux s'accordaient sur l'idée de fond, c'est-à-dire que c'est un langage qui s'adapte à la pensée, qui n'a pas d'ornement, Descartes est quelqu'un qui ne travaille pas la forme comme ses contemporains. Donc, voilà. Un style qui est fait dans l'absence de style, dans la simplification, dans les voilà. Pardon. Alors vous avez raison de citer ces textes et de poser cette question. Tout dépend de ce qu'on appelle absence de style. Oui, absence d'ornement, oui. Par rapport à des proses très ornées et même. Balzac que Descartes a fréquenté et qu'il a lu a une pratique du langage fleuri, de l'hyperbole, même si d'un certain point de vue sa prose est sobre par rapport à d'autres exemples de prose de l'époque ou antérieure. Mais oui, bien entendu, ce qui caractérise le Descartes dans ses écrits français, comme en latin, à l'image d'un latin qui est lui-même très, très, très épuré et aussi cicéronien que possible, ce qui le caractérise, c'est la sobriété, l'absence d'effet et de luxuriance des métaphores, etc. Il n'a que faire de cela. D'un autre côté, ce qui compte, ce n'est pas simplement les coquetteries de style ou non, et l'usage ou non fréquent des images ou choses comme ça, c'est la structuration de la phrase. Et de ce point de vue-là, le style est très marqué. On ne peut pas parler d'absence de style. J'ajoute, il ne s'agit pas simplement de caractériser une structure de phrase qui... Alors,
La phrase que j'ai citée dans le discours de la méthode deuxième partie, c'est un peu un morceau de bravoure comme il y en a ailleurs dans l'ouvrage. Il y a même quelque part une phrase encore plus longue que celle-ci, qui fait pratiquement la page entière, d'où d'ailleurs une certaine solidarité de Proust avec la tradition cartésienne. Ce qui est remarquable du point de vue stylistique, c'est pas simplement les tours de force éventuels ou en tout cas les équilibres que réalise la grande phrase, c'est la variation, hein. C'est-à-dire les textes cartésiens sont des textes stylistiquement très vivants, qui n'enferment le lecteur dans aucune uniformité, même s'agissant des matières les plus austères. Il y a un grand effort de mouvement, hein. Simplement, oui, il y a un principe d'économie qui le place à l'écart de nombreux autres auteurs. Merci, c'est très utile. Et c'est le passage idéal, je trouve, au deuxième groupe de questions. Ok, je passe tout de suite. Donc, deuxième thème, pensée du style, pensée de la méthode, qui est un peu le sujet plus particulier de ce séminaire de ce printemps, où nous intéressons aux analogies, aux décalages, aux rapprochements possibles entre la notion de style, principalement dans ce que j'appellerais sa figure philologique, donc entendue comme manière d'écrire, donc dans la rhétorique ou la philologie, et celle des méthodes dans les sciences. Contrairement, et là je reviens à l'idée à laquelle je faisais allusion tout à l'heure dans ma question, contrairement à la perspective que je dirais qui s'est imposée au XXe siècle, selon laquelle style et méthode seraient antinomiques et philosophie et science devraient se définir par l'absence de style, plusieurs travaux, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, ont fait une place au concept de style à l'interface de la philosophie, des sciences aussi et de la littérature, montrant qu'il est en réalité incontournable, que le style est incontournable, même pour les écrits ou les travaux, même pour les travaux scientifiques qui se veulent objectifs, c'est-à-dire qui considèrent ne pas avoir de style. Il a été montré, par exemple, que des questions de style ont joué un rôle très important, également dans la formation de la notion des méthodes scientifiques. Dans ce cadre, quelle est la place de Descartes en tant que penseur de la méthode? Peut-on soutenir que le style comme manière de penser trouve chez Descartes sa figure fondatrice dans un certain sens? Celui-ci, plus qu'aucun autre philosophe moderne avant lui, ayant explicitement lié et plié, si l'on veut, la pensée et le style à l'exigence de clarté. Ou plutôt, doit-on voir chez Descartes la tentative de libérer la langue et la pensée des questions stylistiques? Et là, j'ai fait allusion à des passages comme celui du discours de la méthode que je viens de citer, que j'ai cité tout à l'heure. Comme il a été remarqué, derrière son usage apparemment descriptif, la notion de style a été souvent utilisée de manière normative comme un outil conceptuel d'inclusion ou exclusion. J'ai fait référence à un essai de Carlo Ginzburg sur ce thème. Un partage qu'on peut entendre aussi comme partage entre modes de raisonnement possibles, légitimes ou corrects, et modes en revanche invalides ou incorrects. Est-il possible de lire dans ces silages les efforts cartésiens de donner une sorte de guide ou norme à la pensée, et plus particulièrement la distinction entre perception et idée claire et distante ou confuse et obscure? Deuxième groupe de questions, je vous passe la parole. Oui, ceci me fait penser que je ne vous ai pas complètement répondu pour la question précédente s'agissant de l'homme sans culture qui ne parle que le bas breton et qui exprime plus clairement ses pensées et de meilleures pensées que l'homme cultivé. Bon, c'est un peu un lieu commun. Malgré tout, qui fait système avec l'idée très répandue, y compris dans la tradition humaniste, que
le paysan juge mieux des choses que le citoyen des villes qui se laisse occuper l'esprit par toutes sortes de vaines considérations. Oui, il y a l'idée cartésienne d'un bon sens originel que certaines conditions de culture auraient corrompu. Et le fait est que son idée reste qu'on trouve chez des gens du peuple, peut-être pas n'importe où, mais dans les campagnes particulièrement, des personnes dont les raisonnements sont plus solides que chez les gens d'études. Et aussi que un certain état naturel de l'esprit produit plus d'éloquence que l'éloquence savante que les discours savants composés selon les préceptes de la rhétorique. Mais c'est toujours la même chose avec ce topos-là, c'est-à-dire il appartient aux meilleurs esprits, comme chez Montaigne, de retrouver le naturel et la rectitude que certaines conditions de culture nous ont fait perdre. Et même si chez Descartes, il y a l'idée que les esprits les plus ignorants et même les plus faibles, dit-il quelque part, pourraient acquérir les plus hautes sciences s'ils étaient conduits comme il faut, dit-il. Évidemment, ce sont les conditions de cette éducation qui restent problématiques et avant qu'elles soient précisées, eh bien, le paysan reste avec ses vérités élémentaires, sans doute aussi avec ses préjugés innocents, et seul le philosophe supérieurement cultivé peut aller beaucoup plus loin dans le bon sens lui-même. Je rejoins un peu votre question. Est-ce que on peut parler d'une invention ou d'une fondation cartésienne du style comme manière de penser, ou est-ce qu'au contraire il s'agit de libérer la langue et la pensée des questions de style? Tout dépend de quoi l'on parle. Il me semble que le lien entre les questions de style et toutes sortes d'autres questions, hein, les questions importantes, hein, qui ne sont pas que de forme, eh bien, ce lien a été constant dans la tradition humaniste. La recherche stylistique et la recherche de la chose à dire sont d'autant plus liées que l'énonciation elle-même, que l'expression de sa propre pensée n'est pas quelque chose qui soit nécessairement aisé compte tenu des conditions externes. C'est-à-dire, il y a de toute façon une complexité de la publication de ses propres idées qui oblige particulièrement à des recherches sur le style en même temps qu'à une modulation. Bon. Disons aussi que même les scolastiques les plus ardus, hein, les scotistes dont les humanistes et leurs successeurs
méprisent, condamnent et raillent le style lourd, même ceux-là ont leur style d'une certaine manière. Ce sont même les auteurs de très, très, très caractérisés dans leur style discursif et philosophique. Donc, je serais un peu réservé par rapport à l'idée qu'avec Descartes commence une certaine époque du rapport entre le style au sens littéraire du mot dans sa réalité littéraire et la pensée en général. Est-ce que Descartes a voulu en même temps libérer la langue et la pensée des questions de style? En un sens, oui. Si l'on entend par là, si on a à l'esprit des contraintes d'uniformité, je pense que vous avez cité d'ailleurs dans le document que vous m'avez communiqué un passage de petit livre où il est question vous avez reproduit la citation de la formule de la règle 1, la première dérégulée sur le bon sens ou la sagesse humaine comme le soleil qui éclaire la diversité des choses sans en recevoir plus de diversité. L'idée que la puissance cognitive de l'esprit est une et qu'elle se répartit diversement sur divers objets sans perdre son unité pour cela. Je pense que, enfin, j'ai une formule dans le petit livre pour indiquer que ça vaut aussi sur l'expression et que la sagesse cartésienne, le bon sens, l'ingenium cultivé et autant que possible se cultivant lui-même, maître de lui-même, ce bon sens-là s'applique aux matières d'expression pour les ajuster, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, au maximum à la diversité à la singularité des situations. Donc l'ingenium règne surtout sur toutes sortes de discours et oui, il s'agit de libérer la langue et la pensée des questions de style, si l'on entend par là un style uniforme, mais non, s'il s'agit de trouver en chaque occasion un style adapté, le style n'étant évidemment jamais considéré tout seul. C'est-à-dire, quand je dis trouver le style adapté, c'est trouver l'expression qu'il faut. Sur ce point, Descartes a toujours été avare de textes sur l'expression, mis à part justement, par exemple, son jugement sur les lettres de Balzac. Il y a quelques éléments qu'on trouve dans les coins. On a beaucoup reproché à Descartes de ne pas avoir traité du rapport entre le langage et la pensée avec une véritable prise en compte de la réalité linguistique. Sans doute avait-il d'autres priorités, mais l'idée est chez lui que on ne peut pas dire si la langue est bien faite ou mal faite, elle n'est pas mal faite, et en toute hypothèse, on doit pouvoir la travailler pour dire le vrai ou ce qu'il convient de dire en chaque circonstance, et le philosophe s'y emploie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon,
si vous voulez, est-ce qu'il y a un style de pensée cartésien? Est-ce que Descartes est l'instituteur de ce qu'on peut appeler véritablement un style de pensée, là où la problème et non pas seulement donc non pas seulement un style d'expression, un ensemble de tours de langage, etc. Bien entendu, il y a un style de pensée cartésien extrêmement caractérisé, qui, pour le coup, se définit lui-même, tâche de se définir à l'intérieur de chaque partie de la philosophie. Bon. La question de la morale est un peu spécifique, mais en physique, en métaphysique, comme en géométrie, les procédures cartésiennes sont très spécifiées. Ça pose la question de l'unité de la méthode. J'aurais du mal à m'engager dans cette fameuse question. Comment identifier la méthode cartésienne à travers la diversité des champs, hein, dans lesquels elle s'applique? Y a-t-il une unité ultime de la méthode cartésienne au-delà de ce que le discours de la méthode livre de très général? C'est une autre discussion, me semble-t-il. C'est peut-être aussi la difficulté de caractériser de manière tout à fait générale le style intellectuel de Descartes. Mais les régulés nous donnent des clés, hein. Et il me semble que les principes de circonspection, discrimination entre les questions qui sont traitables et les questions qui ne sont pas traitables, hein. Définition d'un des relations à observer, donc de l'ordre à observer dans le traitement des questions, méticuleux dénombrement des facteurs pertinents, etc. Tout ça qu'on trouve dans les régulés, et Descartes l'applique absolument partout. Et de ce point de vue-là, il y a une très forte unité. Et c'est vrai que si Descartes est le philosophe par excellence qui a mis sa propre méthode en avant, tout en évidemment restant beaucoup plus discret que certains ne l'auraient souhaité dans l'exposé de cette méthode qui pose des difficultés spécifiques, eh bien, s'il est celui qui met sa propre méthode en avant ainsi, on peut dire oui qu'il est le philosophe qui impose une idée du style philosophique. Oui, j'ai pas répondu à toutes vos questions. Il y a j'aurais du mal à vous répondre sur Carlo Ginzburg. Est-ce que vous pouvez reprendre le point? Je pense qu'en fait, vous avez déjà répondu de manière implicite, c'est-à-dire dans cette partie de la question, je me demandais si les styles, si on peut repérer chez Descartes une fonction normative de ce qu'on pourrait appeler un style de pensée, donc, ou si l'on veut, une méthode qui enseigne, disons, à distinguer entre pensée ou procédure
qui sont valides et correctes et d'autres qui sont incorrectes. Vous avez déjà répondu, vous avez indiqué les lieux, c'est les régulés où il y a justement des indications qui sont censées être unifiées et valides partout, n'est-ce pas? Ok. Et oui, très éclairant, et surtout vous avez déjà, disons, en répondant à mes questions sur ce thème, vous avez déjà abordé le troisième groupe de questions. Vous avez abordé la question de l'unité de la méthode au-delà des différents champs d'application de la pensée de Descartes. Et donc, tout cela nous amène à la conclusion. Mais avant, je voudrais aussi, encore une fois donner la possibilité aux participants d'intervenir. S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. J'en poserai volontiers une. Oui, merci. Alain Lhomme. Oui, Alain, bonjour. Bonjour. Il me semble que lorsqu'on parle de style, ce qu'on vise, ça peut être bien sûr la question de l'expression, de la manière d'écrire, du type de phrase que tu as bien décrit, mais ça peut être aussi la question de ce qui fait la singularité, donc qu'on n'a pas pour l'instant prononcé. Pour essayer de cerner ce qui fait la singularité, non seulement de la manière d'écrire, mais peut-être de ce que j'appellerais l'art de penser propre à Descartes, il faut peut-être à un moment, ce qui est quand même classique dans les études stylistiques, adopter un point de vue un peu comparatiste. Ce n'est pas un hasard si Gaston Granger, pour avancer un peu dans la question du style, se livre à une description comparative, justement, du style cartésien et du style arguésien en mathématiques. Et il me semble qu'on aurait, en gardant cette incitation de Granger, en y restant d'une certaine façon fidèle, il y a quelque chose qu'on pourrait tenter, c'est de comparer le style de Descartes, pas seulement sa manière d'écrire, mais son style de pensée, sa manière d'argumenter. On peut parler d'un style d'argumentation. Avec un disciple de Descartes en mathématiques qui, sauf erreur, est Pascal. Et comparer sur certains points style cartésien et style pascalien pourrait être assez fructueux. C'est une hypothèse que je hasarde, hein, mais je voulais savoir si ça te disait, ça te parlait. Oui, bien entendu, bien entendu. C'est un... une comparaison absolument indispensable dans l'horizon et qui elle-même a sa tradition, hein, parce que les auteurs que j'ai cités en commençant, ceux des histoires de la littérature française, comparent tous le caractère très architecturé du style de Descartes, hein, la phrase très, très ramassée et souvent un peu coupante de Pascal. C'est absolument indispensable. Maintenant, la question est de savoir que dire au juste de ce contraste au-delà de ce qu'on pourrait convoquer immédiatement dans le genre opposition entre une assurance tranquille de l'esprit sûr de l'ordre qu'il établit parmi les choses ou sûr de l'ordre que Dieu a établi parmi les choses
et puis un esprit inquiet dont la, qui a avant tout rapport à des paradoxes et, enfin, ou à des mystères et dont les, dont la, dont le, qui ne parvient jamais complètement à faire le tour de sa propre pensée ou à faire le tour de l'objet qu'il considère et qui donc a plutôt une expérience de fulguration. Bon, il faut aller au-delà de ça. Ce serait peut-être un peu compliqué à l'instant même. Mais oui, de toute façon, ce sont deux. Ce sont deux formations rhétoriques extrêmement différentes, hein, avec deux, bien que Pascal soit naturellement plus cartésien qu'on ne le ne tend à le, et plus imprégné de Descartes qu'on ne le considère souvent. Hein, deux traditions rhétoriques différentes, deux pratiques littéraires entièrement différentes, deux projets, et jusqu'en mathématiques, évidemment, le contraste est très net. Mais dans la question que je me suis posée avec le questionnaire de Matteo qui se prolongeait sur ce plan, c'est est-ce qu'on trouve après Descartes des auteurs qui dont le style reste le même? Je ne pense pas. Enfin, il y a quelque chose, non seulement il y a quelque chose d'inimitable dans la manière cartésienne de s'exprimer, mais la grande phrase telle que nous l'avons évoquée, que l'on qu'on cherche chez Pascal, chez Arnaud, chez Malebranche, chez Bossuet, chez Leibniz, non, on n'a pas l'équivalent. C'est vraiment un moment assez caractérisé et assez spécifique, qui est à comparer avec la manière dont Descartes tient ensemble un certain nombre de vérités qui ne seront plus si évidentes pour ses successeurs. Mais il y a quelque chose d'unique dans l'équilibre réalisé, à la fois dans l'expression, dans la phrase, et puis dans la pensée en général. Les autres cherchent ou bien l'expression est plus plate chez un certain nombre d'auteurs. Et bon, on ne peut pas dire qu'Arnaud écrive avec un grand style. Nicole, oui, mais Nicole, admirable, mais Arnaud, le style d'Arnaud n'existe pas en tant que réalité littéraire. Oui, j'ai oublié le début. Mais enfin, non, on a rien d'exactement comparable à la construction cartésienne. Ah, je vous remercie grâce à cette à travers cet échange, j'ai pu effectivement retrouver pas mal de choses que j'avais à l'origine peut-être envie de demander, parce que effectivement, c'est à travers Granger, mais pas seulement, c'est à travers l'usage plus contemporain de cette notion de style dans les études sur la science, période dans laquelle il y a pas mal de gens qui s'intéressent à la notion de style comme voilà, ma manière d'argumenter justement, de raisonner.
qu'on peut trouver dans les sciences et qui m'a rappelé à la fois la distinction qui faisait Jean Gaillon dans un article entre deux fonctions essentielles du style. Il y a une fonction que peut-être on peut retrouver dans tous les domaines où il y a du style, une fonction individuante ou individualisante ou individuante, bon, qui concerne l'individuel, la singularité. Donc le style sert à caractériser ce qui est individuel, ou bien le style sert à caractériser ce qui est universel, général. Je dirais que cela correspond ou recoupe plus ou moins une distinction entre une fonction descriptive, donc de dire il y a le style Descartes ou le style. Voilà, Descartes, c'est, on ne peut pas limiter, c'est très singulier. Et puis il y a le style cartésien, que c'est une manière de penser, etc., général. Alors que la plupart des gens qui s'intéressent à la notion de style en épistémologie au présent font plutôt référence à la fonction généralisante de style, traitant le style en sorte de, comme une manière de remplacer la notion de méthode, donc quelque chose de général, universel. Granger, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un justement qui fait les choix de style pour dire que chaque œuvre, même les œuvres scientifiques, sont singulières, comme les œuvres d'art. Donc, on peut en faire une étude de stylistique. Donc, on peut repérer les singuliers, l'individuel, même dans la géométrie cartésienne. Donc, voilà. Pardonnez-moi, c'était quelque chose que je voulais rejoindre. Vous avez raison. Le fait est qu'il y a cette tension inhérente à la notion de style qui s'emploie à la fois de manière typique et tantôt il s'agit d'un. Il y a toujours un caractère général du style, mais qui s'applique tantôt à un corpus lié à un auteur déterminé, tantôt à une école, tantôt à une époque. C'est ce qui rend la notion, me semble-t-il, un peu compliquée à gérer. Je retiens volontiers, s'agissant du style de pensée, la définition de Granger, qui est remarquable, qui fait du style une solution diversifiée et par nature incomplète des difficultés rencontrées par tout travail de structuration. Il y a, me semble-t-il, l'idée qu'en effet, un style formé cherche en même temps à s'étendre à d'autres matières et à compléter sa propre démonstration, alors qu'il s'agit évidemment de tout autre chose que d'un esprit de système. C'est plutôt un travail de la raison. Mais oui, l'article de Jean Gaillon, qui est un collègue cher à ma mémoire, trop tôt disparu, est très 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 éclairant sur les différents aspects de la notion. J'ai été un peu moins convaincu, je dois le dire, par la problématisation par Dyson que vous m'avez communiqué avec l'idée que Descartes serait un style unificateur de Descartes et puis un style diversifiant de Bacon. Je ne sais pas exactement de quoi il parle. Il est vrai que Descartes est un penseur de l'unité, est un penseur de l'unité de la science et de l'unité de la philosophie. Donc une unité liée à des principes,
Il y a des formes bien, bien déterminées, là où Bacon, penseur de l'expérience empirique, penseur de l'induction, etc., Bacon appelle à des développements qu'il ne peut pas entièrement... dont il ne peut pas entièrement prévoir la forme, ou dont il renonce à prévoir la forme. Mais est-ce que cette opposition dit autre chose que la bonne opposition entre empirisme et rationalisme, entre guillemets, ou la bonne opposition rhétorique elle-même entre les abeilles ou les fourmis et les araignées? Je ne sais pas. Bon. Donc je suis un peu perplexe par rapport à cette catégorisation. Mais d'une manière générale, caractériser un style de pensée, et non pas simplement un style d'expression, me paraît toujours une entreprise extrêmement ardue. S'il ne s'agit pas simplement de faire le rapport entre une définition des objets, de l'objectivité, une ontologie, et puis des procédures caractéristiques récurrentes, hein. Compliqué, très compliqué. Je pense que il y a quelque chose dans il y a une réalité des styles de pensée qui est intuitivement indéniable, hein, mais précisément en raison du fait que la pensée dont il s'agit est supposée continuellement au travail et donc évolutive, la possibilité d'en décrire exactement les procédures, ben c'est une vieille, 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 vieille question, hein, mais qui est toujours pertinente. Hein. Donc je reste un peu réservé là-dessus. Ah, bien sûr, je vois qu'il y a une question. Avant de passer la parole à Rémi, oui, je voulais juste dire que je suis d'accord. La reconstruction du style de pensée, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qui s'est fait très après coup, c'est-à-dire sans doute, et avec beaucoup de rétrospection et d'erreurs qui sont liées à la perspective, justement. Et ce qu'on a fait, ou ce que j'ai tenté, voilà, en vous stimulant là-dessus, c'est de mettre en jeu certaines choses qui sont peut-être des perspectives mal avisées ou de manière directe ou indirecte dans lesquelles Descartes a été mobilisé, surtout dans la philosophie des sciences anglo-saxonne peut-être, mais pas seulement, dans le XXe siècle, d'une fois comme penseur de l'absence de style ou d'un style objectif, méthodique qu'on a abordé dans la première partie, et aussi comme penseur de l'unification. Ce sont ces perspectives qui vous avez aidé à mettre beaucoup en question. Donc, je vous remercie. Je passe tout de suite la parole à Rémi. Merci. Vous m'entendez bien ? Oui. Oui, désolé, je ne vais pas mettre ma caméra parce que j'ai une connexion très instable, donc j'ai eu beaucoup de problèmes au début, donc toutes mes excuses. Pour rebondir, en fait, à la fois sur ce que vous avez dit sur la question chez Jean Gaillon de style individualisant et style généralisant, alors moi, je parle du point de vue de l'esthétique. Je suis un ancien doctorant de Daniel Cohn, pour vous situer. Oui.
Et c'est vrai que du point de vue des arts, il y a une troisième dimension dans la question du style qui est celle de la norme. Il y a aussi toute cette dimension normative du style, donc qui prétend, voilà, quelque chose qui a du style, c'est quelque chose qui, voilà, qui s'oppose à ce qui est sans style. Bon, bref, ça recoupe un peu ce que vous avez dit. Et je me demandais en vous écoutant, alors peut-être que vous avez cité ça au début et j'ai eu des problèmes de connexion, donc excusez-moi si c'est une redite, mais un des maillons peut-être entre Descartes et la pensée contemporaine du style, ça pourrait être Buffon, tout simplement le discours sur le style, qui, quand il nous dit le style c'est l'homme, c'est vrai que ça a été un peu galvaudé, on a appris ça un peu d'une manière individualiste, mais il dit clairement que c'est l'homme en général, en tant qu'il est un rationnel, et que c'est... la mise en ordre des pensées précède celle des mots. Donc, en fait, là, il y a peut-être aussi, je ne sais pas si Mathéo, dans le reste du séminaire, il y aura quelque chose sur Buffon, mais ça me semblait, voilà, un maillon intéressant à pointer entre les deux, parce que chez Buffon, c'est qu'il y a aussi clairement une visée normative quand il dit que voilà, le style, c'est il faut organiser rationnellement sa pensée pour que le discours soit bon. Oui, vous avez raison de citer ce grand texte que je n'ai pas assez précisément à l'esprit à l'instant même pour enchaîner de manière vraiment pertinente sur votre question, mais indiscutablement, il y a là beaucoup d'éléments qu'il faudrait reprendre. Et sans doute à inscrire en effet dans une tradition cartésienne, mais peut-être aussi pascalienne pour le coup. on est tout surpris quand on trouve un homme dans l'auteur. Merci beaucoup. Il n'y aura pas malheureusement une intervention sur Buffon, mais ça serait une excellente idée. Donc, on serait ravis de t'écouter, Rémi, si tu veux intervenir là-dessus. Buffon, je me lancerai pas là-dedans. Il vaudrait mieux avoir un spécialiste. mais c'est vrai. Et je suis intéressé par ce que tu dis sur la fonction normative. Moi, j'aurais tendance à voir la fonction normative du style comme rentrant un peu dans la fonction généralisante, c'est-à-dire universelle du style, c'est-à-dire qu'il y a un style, une manière de faire les choses ou de voir les choses qui est comme ça. Donc, si tu veux parler de manière objective, si tu veux penser de manière ordonnée, soit tu fais comme ça, soit tu ne parles pas de manière ordonnée ou claire. Donc, c'est la norme. Et alors que la fonction individuante, c'est plutôt descriptive, en voyant l'homme avec un H minuscule dans ces cas, qu'est-ce qu'il a fait l'homme, c'est pas Raffaello donc en peintre, qui l'a rendu inimitable, impossible d'imiter sa manière de créer ou de penser si on applique ça à un penseur. Voilà, je me suis permis de dire ça. Et est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Parce que je ne veux pas trop vous retenir. Et de l'autre côté, on a abordé les trois groupes de questions. La troisième thématique était celle de l'union et de la désunion. Donc, on l'a déjà abordé. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut remercier encore une fois M. Kambouchner. C'était vraiment un privilège, un vrai privilège. C'était un agréable échange dont je vous remercie tous. Et vraiment, c'était vraiment enrichissant et utile. Vos réflexions ont nourri mon travail en cours et mon projet sans doute. Et je remercie aussi les autres participants pour leur présence aujourd'hui, pour leur participation, pour leurs questions. Je me permets un bref passage à l'anglais, juste pour rappeler la prochaine séance. So let me remind you that
Our next meeting is next week on Thursday, May 12th, same time, same place. So 5:30 runtime here on Zoom. We will be hosting Emily Passigna, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, Université Ca' Foscari Venise, who will be giving a talk with the title of Manner, Connoisseurship and Taxonomy, Individual and Collective Identity. So I hope I will see you next week. Encore mille fois merci, Monsieur Kambouchner. Merci. Et bonne soirée à toutes et à tous. À tout bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.